Aujourd'hui, c'est un grand jour pour la Guinée équatoriale. L'assassin qui gouverne notre pays depuis 38 ans a été condamné à 3 ans de prison avec une amende de 3 millions d'euros. Confiscation des biens. Nous sommes très contents de cette véridique qui est sortie ce matin. Nous envoyons un message à notre population d'être fiers et contents. C'est la fin de la corruption, c'est la fin de la dictature, la fin des assassins. Il y a plus de 310 personnes qui ont été assassinées pour cette corruption institutionnelle qui règne dans notre pays. Nous sommes très contents, nous remercions tous les journalistes, la France et le monde entier pour le verdict qui est sorti ce matin. C'est un criminel, Obiang Nguema Mbasoa, je répète, c'est un criminel, c'est un assassin, il doit partir de pouvoir.